Alors la dernière fois, nous avons vu qu'il y avait trois types de groupes, des grands groupes, des communautés en étoiles, donc comme les blogs avec des community managers par exemple, des grands groupes en réseau, beaucoup plus récents puisque c'est à partir des années 90 qu'on a commencé à savoir faire en sorte que chacun puisse discuter avec tout le monde avec des grands groupes, et puis de façon un peu plus facile, un peu plus naturelle puisque c'est notre cognition le permet, des petites équipes en réseau. Des petites équipes projet, par exemple. Et je vous avais posé une question en disant, mais finalement, puisque la limite est souvent de 12 au niveau cognition humaine pour arriver à discuter entre tout le monde, c'est pas simplement quelque chose de biblique, c'est également quelque chose qui vient des neurosciences. Eh bien, est-ce qu'il y a un exemple où on a pu dépasser ça? L'exemple, ben oui, c'est dans le sport et le rugby. Le rugby se joue à 13 ou à 15, donc c'est les seules équipes, contrairement au basket, au football ou à tout ce que vous voulez, où on va dépasser les 12. Alors comment ils ont fait? Eh bien, c'est très simple. Ils ont, dans le rugby, imaginé des choses où la plupart des actions se font avec plusieurs joueurs qui avancent comme un seul homme. Par exemple, le pack, la mêlée, etc. Et donc, un autre joueur n'a pas besoin de comprendre chacun des 13 ou 15 joueurs, mais a besoin de comprendre une dizaine, jusqu'à une douzaine maximum d'unités, puisque en fait, le pack ou la mêlée, eh bien, vont avancer d'une manière cohérente ensemble. Mais revenons par contre de grandes communautés en réseau, ces communautés un peu plus récentes, extrêmement intéressantes, on l'a vu pour plein de raisons, puisqu'elles sont plus grandes, elles ont plus de légitimité, mais plus actives évidemment qu'une communauté en étoile. Elles passent à l'échelle, elles permettent aussi avec la loi de Linus de trouver des solutions là où on n'en trouvait pas. Eh bien, comment faire vivre ces communautés en réseau le plus simplement possible sans y passer trop de temps? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir les quatre activités REPI, REPI, pour arriver à faire fonctionner votre communauté le plus simplement possible. Alors juste avant de parler de ces activités, parlons de la spécificité de ces communautés. Comme c'est les grandes communautés qui ont dépassé 12, eh bien pratiquement personne ne fait rien, ou du moins 80 ou 90% des gens ne sont pas actifs, ce qui est tout à fait normal, rassurez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous voulez avoir des gens extrêmement actifs, vous avez peut-être intérêt à avoir des petites équipes projets au sein de votre grande communauté. Et là, vous allez pouvoir produire des choses. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, ces petites équipes projets vont pas utiliser plus de monde que les 12 pour, par exemple, un événement, et ça marche très très bien. Mais sur la durée, eh bien, c'est souvent un petit groupe qui va être plus actif. Donc, première chose, eh bien, on va mettre des petites équipes projets au sein de la grande communauté. Et évidemment, les gens qui s'intéressent au projet vont oublier d'informer le reste de la communauté. Donc, on a vu déjà le rôle du facilitateur comme rôle clé pour permettre le lien d'échange entre tout ça. Et là, je vous renvoie effectivement à la vidéo sur le facilitateur que vous pouvez retrouver ici. Mais outre ces projets et puis tenir au courant la communauté, pour que cette communauté, les gens sentent qu'ils font partie de cette communauté, et pas simplement d'ailleurs comme une communauté en étoile, mais comme une communauté en réseau, comme une communauté holoptique, comme tel qu'on l'a appelé, eh bien, il va falloir quatre activités. La première, les rencontres. Alors, c'est simple. Si vous êtes d'ailleurs sur un groupe local, eh bien, c'est assez simple de pouvoir se rencontrer régulièrement, une fois par mois pour beaucoup de groupes, un peu plus souvent, un peu moins souvent pour d'autres. Si vous êtes à distance, eh bien, vous pouvez faire des rencontres à distance. Le principal, c'est qu'elles soient synchrones. Et à quoi servent ces rencontres? Elles servent principalement à motiver les plus actifs. Et donc, c'est ceux qui vont venir évidemment aux rencontres. Donc, ce n'est pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Donc, vous avez absolument besoin des rencontres pour les plus actifs. Le E, le deuxième, c'est les échanges entre les rencontres. En effet, beaucoup de gens ne viennent pas aux rencontres, puisque tout le monde ne réagit pas d'ailleurs quand vous proposez d'inviter les gens à votre rencontre. Et donc ces observateurs sont extrêmement importants, comme on l'a vu déjà dans une précédente vidéo, pour arriver à apporter des nouveaux participants actifs lorsque certains actifs partiront. Alors pour ça, on a besoin d'échanges entre les rencontres. Le problème, c'est que nous ne sommes pas télépathes et donc autant dans certains cas de figure, on peut se passer d'outils pour les rencontres, autant pour les échanges entre les rencontres, on va avoir besoin d'un outil pour pallier à notre manque de télépathie. Et puis le téléphone, bah, c'est un bon outil, mais plutôt sur les réunions en ligne, mais par contre, de deux à deux, c'est pas vraiment facile pour les échanges. Alors, eh bien, on va avoir besoin souvent d'un endroit qui va être particulier pour cet échange, c'est-à-dire un endroit que les observateurs vont voir. Alors, si vous vous adressez à des actifs, c'est-à-dire à votre petite équipe projet, pas de problème, vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez, du Slack, du Facebook Messenger, bref, du Skype ou autre. Mais si vous voulez vous adresser à une grande communauté, là, vous allez avoir besoin de toucher les gens dans leur boîte aux lettres, là où ils le lisent, parce que
justement, les observateurs ne sont pas réactifs et donc ne vont pas aller là où vous voulez, c'est-à-dire sur un forum ou sur autre chose. Alors vous allez me dire, oui, mais alors la liste de mails, souvent on est inondé. Alors je vous renvoie effectivement à cette petite vidéo sur comment ne pas être inondé justement sur une liste mail en évitant la liste de diffusion qui est très très en étoile et la liste de discussion où là évidemment on discute de tout et n'importe quoi. Il y a des astuces pour éviter qu'on ait beaucoup trop de mails et que ça soit totalement acceptable. Par contre, cette petite liste n'est pas un système simplement d'information, c'est-à-dire un système en étoile, c'est vraiment montrer tout le monde à tout le monde ou du moins les plus actifs aux autres de manière à montrer que le groupe marche le mieux possible. Troisième activité, P comme espace de partage. C'est-à-dire que dans les rencontres se disent des choses fantastiques et ça part à la poubelle. Dans les échanges entre les rencontres se disent des choses extraordinaires et évidemment ça part à la poubelle du temps parce qu'on oublie. Alors l'espace de partage est là pour attraper effectivement les choses les plus intéressantes. Imaginez dans notre projet, dans une communauté, sur un thème particulier, nous avons parlé de quelque chose, il y a une rencontre il y a 2 ans. Et puis peut-être juste la semaine dernière dans les échanges, eh bien on avait aussi quelque chose de tout à fait intéressant qui a été dit là-dessus. Et puis sur le web, on a trouvé en veille d'autres informations extrêmement intéressantes également. Alors ces trois informations venant de sources différentes à des moments différents doivent être regroupées parce qu'elles font partie de la même thématique pour pouvoir être mises en relation. Donc finalement, un espace de partage, c'est un espace facile à mettre à jour. Donc, on peut utiliser un wiki, par exemple, un site que tout le monde peut mettre à jour facilement. On peut même utiliser des pads lorsqu'on a des choses extrêmement simples, c'est-à-dire un simple traitement de texte en ligne. Mais effectivement, eh bien, on doit pouvoir classer tout ce qui se passe, que ce soit les informations sur la communauté elle-même, les communs de la communauté, c'est-à-dire ses valeurs, ce qu'elle fait, etc. Pourquoi pas ses membres, et avoir aussi les différentes thématiques, des différents projets, des différentes thématiques intéressantes pour la communauté. Alors, R comme rencontre, E comme échange entre les rencontres, P comme espace de partage, et il reste le I, et c'est le dernier parce que c'est souvent celui qu'on pense auquel on pense en premier. C'est I comme information, comme flux d'information. Et là, évidemment, eh bien, on a un système qui est beaucoup plus en étoile. Alors, si on se contentait de faire l'information, et là-dessus, les pages Facebook, les blogs, les newsletters, ou même tout ça à la fois, c'est extrêmement efficace. Mais si on se contente de faire ça, eh bien, on a une communauté en étoile et non plus une communauté en réseau. Et donc, effectivement, c'est extrêmement utile parce que ça va toucher même les non-membres, sur lesquels justement les non-membres, par définition, ne discutent pas entre eux à l'intérieur de la communauté. Ça va permettre de toucher un peu tout le monde, donc c'est très utile de rajouter l'information, mais si vous vous cantonnez simplement à une page Facebook ou à un groupe Facebook, eh bien, vous aurez des problèmes parce que vous n'aurez pas les rencontres, vous n'aurez pas les rencontres synchrones, même en ligne, vous n'aurez pas les échanges dans les boîtes aux lettres de vos observateurs, qui peut-être n'ont pas Facebook pour certains, et vous n'aurez pas l'espace de partage qui vous permettra d'avoir effectivement quelque chose classé dans les thématiques plutôt que dans le temps. Alors, à vous de jouer. On a vu qu'il y avait quatre grandes activités pour faire vivre votre communauté en réseau, d'avoir des rencontres synchrones, d'avoir des échanges entre les rencontres pour ne pas oublier aussi les observateurs qui ne participent pas forcément à vos rencontres, avoir un espace de partage pour ne pas avoir qu'une vision du temps chronologique, mais aussi classer les choses pour que des choses à des moments différents, qui sont venues à des moments différents dans votre groupe, eh bien, se retrouvent au même endroit pour pouvoir les mettre en relation. Et puis le flux d'informations, donc répit pour avoir plus de répit. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, à votre avis, quelle est la partie la plus faible dans votre propre groupe à vous? Alors peut-être vous allez me dire pour les 4 ou les 3 ou 2, mais essayez déjà de voir la première, celle sur laquelle vous pourriez commencer à essayer de travailler. Est-ce que ça serait intéressant de remettre en place des rencontres régulièrement? Ou alors est-ce que vous avez besoin d'un véritable système d'échange qui touche les observateurs et pas simplement, comme Slack, Skype ou autre, eh bien ceux qui sont déjà actifs et qui sont prêts à télécharger, s'ils ne l'ont pas encore, l'outil que vous leur proposez? Donc, un système beaucoup plus global d'échange. Peut-être il vous manque au contraire un espace de partage parce que vous avez un groupe Facebook et puis bah, tout ce qui a été dit il y a déjà pas mal de temps, on ne le retrouve plus, on n'arrive plus à le retrouver parce que tout est classé en fonction du temps et non pas de l'espace, comme dans un blog d'ailleurs aussi. Ou alors peut-être il vous manque l'information, ce qui est plus rare en général, puisque ça c'est la première chose qu'on fait. Alors dites-moi effectivement ce qui vous semble le plus intéressant. Ça pourra servir d'ailleurs à des prochains trucs d'animation pour essayer de voir un peu justement sur lequel de ces quatre activités on pourrait se concentrer pour avancer un peu plus ensemble. Vous pouvez également
télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter. Bref, tout ce que vous m'envoyez, c'est vraiment une grande motivation pour moi pour continuer ces trucs d'animation, parce que j'ai beaucoup de retours aussi, y compris à chaque fois que je vous rencontre au hasard des fois des différentes rencontres où je vais. Et donc, rendez-vous aussi la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.